Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Minute Pratique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir la confidentialité de vos vidéos sur YouTube. Donc pour commencer, je me suis rendu ici sur YouTube. J'ai cliqué ici sur le bouton « Mettre en ligne » en haut à droite et je suis arrivé sur cette page. Ici, vous avez la possibilité de faire glisser des vidéos pour les uploader. Alors, vous voyez ici le bouton « Confidentialité ». Vous voyez que public est sélectionné par défaut. Alors il faut savoir que public, toutes les vidéos que vous allez publier seront accessibles dans le moteur de recherche de YouTube et n'importe qui pourra y accéder. Si vous souhaitez rendre vos vidéos moins accessibles, vous pouvez choisir non répertorié et à ce moment-là, toutes les personnes qui auront le lien de votre vidéo pourront y accéder, mais elles ne seront pas accessibles depuis le moteur de recherche de YouTube. Ensuite, vous avez la vidéo privée. Pour la vidéo privée, c'est un petit peu plus confidentiel que non répertorié puisque là, même si les personnes ont le lien direct, elles ne pourront pas y accéder si vous ne les avez pas acceptées, si elles ne sont pas dans la liste des personnes qui peuvent lire les vidéos. Et là, vous voyez la dernière option, la toute dernière, et on va la regarder un petit peu plus en détail, c'est l'option planifier. Vous pouvez aujourd'hui uploader une vidéo et décider qu'elle ne sera disponible en ligne que la semaine prochaine. Donc je choisis planifier et je vais venir uploader une vidéo, n'importe laquelle. Je clique et je déplace. On voit ici que planifier, je peux choisir ici la date de publication. On va dire par exemple que je veux que ce soit publié mercredi prochain. Hop, donc le 4 novembre à 7h30. Heure locale. Et donc bon, toujours pareil, on peut mettre ici les tags, on peut mettre le petit message pour que ce soit publié automatiquement sur Google+ et sur Twitter. Si on veut pas que ce soit le cas, il suffit de décocher. Et lorsque la vidéo sera uploadée et encodée, à ce moment là elle sera planifiée et sera en ligne uniquement à partir du 4 novembre 2015 à 7h30. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir aidé tout simplement. Et si vous avez des questions, surtout posez-les en dessous de la vidéo en commentaire. À très bientôt.